Et bonjour à toutes et à tous, ici SpyRH, je vous sers la suite de notre Let's Play de Steel Rising sur PC. La dernière fois, on a commencé la quête de Necker qui contient deux objectifs. Le premier qu'on a déjà fait, retrouver son fric, chose qu'on a fait, mais en apprenant au passage, grâce à Mirabeau, son double jeu, et le fait que le fameux dauphin de l'arène, qu'on est censé trouver des preuves sur pourquoi il est mort, bah on a la preuve que c'est le roi qui l'a tué, l'a transformé en titan. La joie. Et donc là, nous sommes aux Invalides pour retrouver la trace de la femme de Necker. Alors, faut retourner à l'église Sainte-Marie. Donc c'est là où on avait affronté le... le turiféraire instable. Donc ça va que c'est pas très très loin. Donc je vais rusher un tout petit peu jusqu'à l'église. Débarrasser de toi d'abord. Hop là. Voilà. Parce que si vous vous rappelez l'église Sainte-Marie, il y avait une zone dans laquelle on pouvait aller qui était gardée par un turiféraire, mais qu'on pouvait pas trop avancer plus loin. Le prochain niveau, il a combien? 18 040. Oh ouais, bah je vais me claquer des manes. Alors... j'ai encore des petites manes qui me servent à pas grand chose. Ah, j'ai plus de toutes petites. Bon, on va claquer ça du coup. Et on va prendre... robustesse ou ingénierie? On va prendre un point d'ingénierie pour avoir un peu plus d'armure. Alors, pour aller à l'église, faut que je passe par là. Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. Donc cet objet-là n'apparaît pas si vous ne lancez pas la quête de Necker, bien évidemment. Je pense aussi que c'est bien d'explorer d'abord la zone pour déjà ouvrir ce raccourci. Une boîte très loin. Waouh! Donc cette fameuse porte qu'on ne pouvait pas ouvrir, la clé était juste à côté, mais qui était en scénarium. En scénarium annexios. Parce que chaque zone a ses catacombes, fallait évidemment qu'on en ait ici aussi. Ça c'est bien, ça se prend. Je préférerais des pétrifiantes, mais ça se prend quand même. Des grenades pétrifiantes. J'ai 3 améliorées et 4 normales. Ouais, bon, ça se prend. Petit prototype, on s'en fout. Ça meurt facilement. Alors, faut descendre par là. Bah, j'ai l'autre côté, moi, du coup.
règle d'or du papillon, toujours aller à l'opposé là où le jeu veut vous emmener. Oh oh, je l'ai vu. Je l'ai vu le turiféraire qui se balade. L'araignée. Olé. C'est bien, je chope plein de man, ça c'est cool. Alors il y a moyen d'aller au-dessus. C'est un réel intérêt ou... Ah oui, c'est un réel intérêt. Alors par contre, si je plante dans le décor, ça va pas le faire. C'est un intérêt si on veut. Ça de la partie, c'est plus trop... Enfin, pour ceux qui jouent beaucoup d'armes, c'est bien. Moi qui suis mono-arme, je m'en fous un peu, je vous avoue. Ok, il faudra que je fasse le tour. À moins que je puisse déjà le faire, mais ça m'étonnerait. Parce que moi, j'aime par là, donc... Ouais, non, il va y avoir un chemin que je puisse faire plus tard. Chemin là-bas, il y a un grappin là-haut. Personne, pas de méchante bestiole. Ah, il y en a un coup au-dessus. Ok, cool. J'aime bien comment ça vaut un esprit guerrier. Parce qu'on a vu qu'un valeureux, ça valait 500. Un noble, ça vaut 750. Et un guerrier, ça vaut 1000. Ah ouais! J'ai 12 000 man déjà de prête, rien que sur les fioles de guerrier. C'est bien ça. Donc ça, c'est l'item qu'on vient de voir. Encore l'essence guerrier. Nice. Pour l'instant, je les économise, mais quand j'arriverai vers la dernière zone du jeu, ou au moins la zone DLC... Je commencerai à tout claquer pour faire des gros level up. Personne. Si. Aïe. Là, ils sont deux. Aïe, aïe, aïe. Sur l'animation de la fiole, t'es sérieux? Bon, bah... On y retourne, hein. Ok, on y est. Alors, j'ai un peu speedrun la zone en attirant tout le monde. Chose qu'il faut pas faire, bien évidemment. Je reprends mes man, moi. J'ai fait de les claquer avant pour un level up. Ok, celle-là, elle est morte. C'est bien, il a tué son pote, c'est bien. Voilà,
Bien ce qu'il me semblait qu'il avait un peu trop de TP pour en tirer faire de glace. Alors, je suis pas trop de ce côté-là, mon grand, mais si tu veux. L'allonge que ça a, cette merde. Les petits référaires ont tous des gigantesques allonges. Mais alors lui, il gagne le pompon. Il y a un gros pompon. Il y a une grande salle avec plein de trucs à péter, il n'y a même pas un item. Enfin, radin. Et en plus, je suis mort juste à la fin des catacombes, quoi. Ah oui! Il y a deux couillons devant la porte. Rappelez-vous, on avait galéré ici, nous, là, quand on était venu ici la première fois. Alors, j'ai pas déverrouillé l'accès. Même pas en rêve. So Madame Necker escaped. I must inform her husband immediately. Mon cher époux, si vous lisez ces mots, c'est que le Seigneur nous a épargné l'un et l'autre et que cette église n'a point été notre tombeau. Réchappé de l'affreux massacre, je vais rejoindre séance tenante entre filles germaines dans l'hospice de charité de Saint-Sulpice. Nous vous y attendrons. Votre épouse aimante et dévouée, Suzanne. Hop. Et maintenant, nous allons pouvoir informer Necker de... Le sort de son épouse. Voilà, comme ça, moi je fais ça. Je me casse dans les catacombes. Et on fait le point sur les quêtes. Donc là, c'est la petite note qu'on vient de trouver. Ça... C'est pour les catacombes, je suppose. Donc en termes de quêtes annexes, donc le dauphin, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Et donc là, on doit annoncer à Monsieur Necker que Suzanne a réchappé au massacre de l'église Sainte-Marie et qu'elle attend aux côtés de leur fille à Saint-Sulpice. Et on lui informe que on a récupéré ses actions. Donc on peut quitter cette zone. Allez, direction le Luxembourg. Et avec ça, il n'y a plus qu'à parler à Robespierre pour que je vérifie un truc et on peut enfin continuer la principale, c'est-à-dire aller à Montmartre depuis le temps. Je rappelle aussi ce que j'ai dit sur la quête de Necker la dernière fois, qu'il avait un succès qui consistait à d'abord récupérer les infos sur sa femme et après sur le pognon. Sachez que si vous commencez par les actions de Necker, ça n'influe en rien le sort de la femme de Necker. Ça aurait pu, mais ils n'ont pas poussé le vice jusque-là. Ah. Ah bah du coup, Mirabeau revient au couvent quand on se montre conciliant avec lui. Ah, ça c'est intéressant par contre. Donc du coup, si je vais lui parler, je pense que je peux continuer sa quête. Ça, c'est cool. Monsieur Necker. Madame. Eh bien, do you come bearing good news? Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? Oh, the bonds. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me.
That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, monsieur. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that'd be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight, unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms, and everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? Donc, l'un des choix les plus explicites du jeu, pour vous dire, c'est à vous de choisir la fin du jeu. Donc, vous l'aurez compris, quand j'ai parlé de Mirabeau qui était régent dans la fin du jeu qui ne consistait à faire aucune quête annexe, quand vous faites les quêtes annexes, vous êtes amené à choisir qui va régner sur le pays, Lafayette ou Robespierre. Sachez que sur ma première partie, j'ai fait régner Lafayette. Dites-vous que vous choisissez l'un ou l'autre, c'est un mauvais choix. C'est une bad ending, quoi que vous fassiez. Pour ceux qui connaissent l'histoire de France, vous savez très bien de quoi l'un et l'autre sont capables. Et moi, en ayant fait juste, je sais de quoi l'un et l'autre sont capables. Donc, même si Robespierre a été, dans l'histoire française, un sombre crétin, criminel et connard, je vais quand même lui filer le fric pour voir à quoi ressemble sa fin sur le jeu. Et pour voir son succès. Maximilien de Robespierre. I have chosen to entrust this fortune to you. Very well, madame. I promise that I will use it for one purpose only. Freedom for the people and by the people. When a monarch violates the people's most fundamental rights, insurrection is their most sacred and indispensable duty. But we must be wary of warmongers who claim to defend our happiness. Bon sang. Am I the only one who is weary of hearing these tiresome monologues? For they wish only to silence us. And take their own turn at playing tyrant. Congratulations, Aegis. You've chosen a speechifier as commander-in-chief. I am sure the king will be delighted to hear this. He need not fear for his throne now. Alors, en termes de haut-parleur, je pense que tu es mal placé pour dire ça, toi. Et n'attaquez pas Lafayette, on s'occupera de ton cas. Parce que Lafayette, en faisant les quêtes annexes du jeu, ce qui reste des quêtes annexes à débloquer, vous allez voir que ce type, dans ce jeu... Faut pas trop lui faire confiance. Je veux pas trop en dire, mais vous allez voir que le bonhomme, il a quelques petits secrets encore à révéler et pas des jolis. So how is Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. You must speak to him. He's holed up in the quarries of Montmartre, hiding from the. Mais on sait tout ça, t'inquiète. Juste du coup faire ses textes à lui pour vérifier si ça me déclenche la quête ou pas. Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless.
Even if they were armed and formed into battalions, the Patriots would not be able to fight. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mention share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts! What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I am now certain that the King's Lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory. And that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. Come now, no metal is indestructible. If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Take a look at this ledger, Monsieur Lavoisier. It contains a list of metals. I found it by the factories, near Vauconson's workshop. Let's see. Steel? Molybdenum? Very good. Tian, Dong, tungsten, and zirconium. This master blacksmith knows his trade. These metals can be used to make the strongest alloy imaginable. As long as you have a fortune to invest. For that, our clockwork tyrant knows no bounds. Well, Monsieur Lavoisier, is there any way to break this alloy? Break it? Certainly not. But a mineral acid could change its structure. Melt it, perhaps. I would recommend sulfuric acid, or vitriol, if you prefer to use its common name. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at L'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that. You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in his research. Je me souvenais plus qu'on avait un détour à faire pour choper du vitriol, mais ok. Alors, je vous rassure tout de suite, les Vestales ne seront pas détruites en termes de gameplay, c'est purement et seulement scénaristique. Monsieur Bailly, would you happen to know where I could find some vitriol? Sulfuric acid? Of course. Combined with sea salt and green copperas, we use it to polish the lenses of our telescopes. But I don't know how much we have. You would need to go to the Louvre and take a look at the observatory's storeroom to find out. If you will allow me to. Of course, madame. Here is the key. Goodbye, Monsieur Bailly. Alors, je vais juste continuer de parler à Robespierre pour être sûr d'un truc. Ok, il veut pas. Très bien. Bon, on n'ira pas à Montmartre tout de suite. En fait, je me souvenais qu'il avait une quête, mais je me souvenais plus qu'à m'emmener... je me souvenais qu'il y avait une quête qui nécessitait en fait de parler à Mara et de faire la quête de Montmartre. Mais je me souvenais plus qu'il y avait un détour à faire avant. Mais enfin. Toujours est-il que... Bah quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Donc selon Monsieur Lavoisier, seul le vitriol pourrait venir à bout des lanternes des morts. Et là, ses propres réserves ayant été détruites, il convient de solliciter l'aide de Monsieur Bailly. Donc il faut qu'on aille au Louvre dans sa réserve pour prendre du vitriol. Donc la prochaine fois, je commencerai l'épisode proche de la zone. Oh non, c'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est là. Proche de la zone demandée. Comme ça, on s'occupe vite du vitriol et la prochaine fois, promis, on lance enfin la suite du scénar avec Montmartre. Et ben pour cet épisode, merci d'avoir suivi. Le petit like, commentaire, partage qui fait plaisir, vous connaissez la chanson. Le Discord en description. Et bientôt pour la suite de Steel Rising. Salut !